Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat shalom à toutes et à tous. Tu dis Shabbat shalom? Allez, dis Shabbat shalom, Nelson. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Soyons solidaires, soyons prudents, restons à la maison. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je vous souhaite tous un Shabbat Shel Shalom, Shabbat Shel Briout, Al Kol Am Israël. Bonjour chers amis, je suis heureux malgré les circonstances de prendre la parole devant vous à la demande de Stéphane Galsman et vous dire combien nous pensons à vous et je suis sûr qu'également vous depuis Strasbourg, vous pensez à nous. Le Shabbat Vayikra, c'est le Shabbat des Korbanot, c'est le début de la lecture du livre de Vayikra, où l'on voit le terme Korban apparaître plusieurs fois. Et je voulais simplement vous rappeler que le terme Korban, la racine Karev, a trois sens, parce qu'on peut intervertir les lettres. Vous avez Karev, qui veut dire se rapprocher. Vous avez Boker, qui veut dire le matin, qui signifie le matin. Et vous avez Krav, qui appelle en quelque sorte la lutte, le combat, pour quelque chose. Eh bien, s'il y avait un combat à mener, c'est celui de l'unité, c'est celui du rapprochement, c'est celui de la force que nous devons avoir chacun, toujours, comme un matin de renouveau, avec cette force nouvelle. Et je vous souhaite Shabbat Shalom avec ces trois sens du terme Karev. À très bientôt. Shabbat Shalom. À tout ça, bye bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous et une très bonne santé. Hop là. Shabbat shalom. On vous lâchera pas. Shabbat shalom à tous. On vous souhaite une bonne santé. Restez chez vous. Refouachez les mains à tous nos malades. Gros bisous.